Sorry. Est-ce qu'il ne pouvait pas juste laisser le 3-5 et le laisser la taper? Moi ouais. Je trouvais ça correct. Ah, mais il a mis Bolf aussi. Tarsk a tout mis dans son deck. Il a tout mis en fait. C'est ça. Il nous fait une spéciale là. C'est marrant. Là, il a de la chance que le Wello puisse pas tuer. Toshley. Sinon, ouais, ouais. Sinon, il prenait sa spare part de plus et il faisait un overdraw. Mais bon, après, overdraw une arcane intellect, en général, c'est pas très grave parce que si t'es overdraw, ça veut dire que t'as déjà trop de cartes. C'est ça, t'es content. C'est t'es ça. Content. Je préfère voir l'arcane intellect que le bloc de sûr. Glace. Donc là, bah, on devrait voir un BGH sortir. Ouais, le Big Eventer qui va se mettre bien sur Boom. Qu'est-ce que tu fais d'autre du coup? Et juste spare part et d'accord, tuer... spare part. Ouais, d'accord. C'est pas mal le play de Tars ici. Oui, hein. C'est intéressant. Ouais. Parce qu'il se dit, je sais pas trop à quoi j'ai à faire, et je préfère tuer les choses maintenant. Je pense qu'en fait, là, le Wello, il est pas super content de sa main parce que Varian va rien sortir en fait au final. C'est ça. Mais là, il va sûrement trade les booms et mettre le. Oh. Ouais. Et le Kel'Thuzad. Je pense, ouais. Ça paraît très logique. Même si ton Kel'Thuzad se fait gérer, t'as des booms potes qui pop. Ouais. T'as quand même peur du. T'as peur de mettre le Sneed contre ce type de deck mage parce que tu sais qu'il va y avoir des moutons. C'est ça. Tu te dis que ça va partir assez vite. Parce qu'on le voit ici, il a pas de moutons, ouais. Mais il y a de grandes chances qu'il l'ait quand même dans sa main. Surtout quand le mage a autant de cartes en main. C'est ça. Tu sais qu'il y a deux Sarad, mais quand même. Il va probablement y avoir un trade et un mouton explo ici. Reste à voir ce qui va pop derrière. Parce que pour 4 mana, il aura plus rien à faire en fait. Et ça, c'est ça qui est vraiment gênant dans cette situation. Donc peut-être qu'il va réfléchir à un autre play. Boule de feu et mouton. D'accord, et pas très. C'est pas mal non plus. C'est Bolzi. Parce que et il attaque pas. Ah si, d'accord, j'ai cru qu'il attaquait pas avant. Y a aucune raison de ne pas attaquer. Ouais, ouais, c'était surprenant. Là le problème c'est que les... Voilà. Ça l'a tué. Ouais.
Il a la spare part de camouflage qui est extrêmement importante dans le leg parce que si tu dès que tu choques Antonidas camouflé, c'est parti quoi. Ouais, je suis d'accord. Du coup, ce qu'il dit d'ici qui part, Loello qui est content. Hein, ouais. Loello qui est content, qui voit qu'il n'y a pas trop de réponse chez Tars parce que le mouton serait joué instantanément. Ouais. Là, Loello qui est content de son play. Fin... Il va peut-être y avoir une arcane intellect du côté Tars s'il joue deux moutons. Oh. Ah. Attention, qu'est-ce que ça va donner? Sûrement peut-être un bon sort ici. Très mauvais. Bah, en fait, le truc c'est que sa main est déjà trop pleine, donc il pourra pas avoir les rip-up des tisseuses en plus. Donc c'est encore pire que ce qu'on pourrait penser au premier abord en fait. C'est mauvais, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. C'est ça. Déjà, de base, attention, la carte, il pioche une death bag. N'est pas attention bonne. Sur le board, ouh, un crash bass, c'est pas mal. Ouais. Attention, et une baston. Bon, c'est pas le variant du siècle, mais ça fait mal quand même. Mais c'est ça, puis ça a quand même de la value. Torissan peut aider Tars, mais là il va se prendre un létal s'il ne le fait pas. Enfin, t'as de grandes chances comme guerrier létal si c'est ça gère rien. C'est mal embarqué. Hein. Tu prendrais combien? Tu prendrais 13. Le guerrier faudrait qu'il fasse même 14 avec le repop du Sludge Belcher. À moins qu'il décide de boule de feu. Il va prendre le pari. Hein. Et boule de feu, Snip? Non, le Belcher, je pense. D'accord, pour prendre un point. Ouais. Ok. Donc il y a 12. Il n'y a pas l'étal. Non. Est-ce que Loello joue gros mage d'après toi? Son deck me paraît déjà très lourd. Non, je pense pas qu'il joue plutôt Izera. Ouais. Plutôt il a remplacé les gros mages par Snid et Ragnaros peut-être. Il y a Cairn en plus hein, là qu'on voit en main. Donc... Peut-être qu'il joue Ragnaros du coup. Enfin, ça, pour moi ça a aucun sens de jouer gros mage. Tu gagnes au board donc je vois pas. C'est ça. Je vois pas en quoi des finishers t'aideraient. Ouais. Il y a un flame strike qui va être plutôt bon au prochain tour potentiellement. La liste de Loello qui est très très bonne contre des decks greedy comme celui de Tars. Ah ouais. Des trucs genre Cairn et tout, c'est impossible à remove en fait, tu es obligé de les contourner. C'est ça, Loello qui est très content parce qu'il sait qu'il a eu le bon matchup. Ouais, ouais. Et il comprend maintenant le deck de Tars et il sait qu'il a le bon matchup. Quoi. Il va sûrement y avoir un arcane intellect côté Tars. Parce il va falloir le poser au bout d'un moment. Ouais. Tars, il faut qu'il pioche des réponses ici. Hein. Il pique d'abord pour voir ce que c'est. Attention. Oh, très bon repop. Ah, c'est très fort ça. C'est très fort. Ah ouais, ouais. Parce que vous vous rendez pas compte. Oh, une légendaire au hasard, ouais, c'est forcément ouais. bien. Ouais. Parce que ouais, ouais. quand on le sait, il y a beaucoup de légendaires qui coûtent 2, 3 mana qui sont pas terribles du tout. Beaucoup de crit de guerre aussi qui beaucoup sont de moyens une comme, fois sur le board. Harrison, des trucs comme ça. Et ça... Van Cleef. Ouais. Van Cleef, on parle de crit de guerre, Van Cleef, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, par exemple, une 5-5 qui fait repop une 5-7 qui fait repop une 5-5 pour 8, t'as pas envie en fait. Parce qu'il y a tellement mieux en termes de value que ça fait pas rêver quoi. Ok. Loello qui snowball hein, ici. Là concrètement, on voit pas comment Tars pourra revenir. Après, il y a peut-être. Ça Igor, il a raison. Ouais. Est-ce qu'il y a. Il y a la botte secrète. Il y a la petite arme en haut. Il préfère exec. Ah, il peut pas attaquer, c'est vrai. Il vient de attaquer une. Il ouais. la met quand même. Je pense. Il vient de mettre un coup de deathbite, il va équiper et. Oh, ouais, mais il rééquipe là, je pense. C'est ça que je pensais. Oui. Ah, si, il a rééquipé quand même. Je pensais qu'il avait fait fin de tour avant. Parce que je suis un peu étonné qu'il ait pas posé la Smith en fait. Ça lui coûtait rien. C'est ça. Tant qu'à faire. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Ça lui permet de survivre. Oui. Même si l'intérêt de la survie en soi est assez limité. Mais... C'est ça. Il va Sarad Blizzard du coup. Attention. Blizzard. Alors, c'est pas si dégueu parce qu'au prochain tour le choc de flamme va tout prix. Oh, c'est pas si dégueu sauf si tu peux shield slam Alexandre. Allez le shield slam. Ouais, vierge shield slam, ça paraît le play ici. Il va taper face, mettre à 3. Il va prendre 0 risque, le mettre à 3. C'est ça. Armor up. Loello qui lance des petits regards hein, à Tars. Hein, Ah, il fait l'e-sport. Allez. Ah, c'est stylé. Oh. Oh. Oh, ah, bien joué. De toute façon, il y avait forcément. Il y avait forcément l'étal. Ouais, on l'avait pas vu, d'accord. Ah, c'était bien joué. C'est bien joué de la part. C'était sympa. C'était sympa. C'était sympa. Ouais, ouais. J'ai pas vu ce play, mais Loello l'a bien spontanément. Mais tu en fait tu le gardes en tête quand t'es le guerrier et tu te dis à un moment ou à un autre tu peux faire ce play là qui met quand même 9 points de dégâts mine de rien. Ouais, c'est fort. Ouais. Ah c'était cool, c'était sympa comme game. Faut dire que Snid a carry. Ah c'est ça.
Après c'est Nidakari, variant Akari aussi, enfin, tout Akari. C'est ça, Lorelo qui joue un deck vraiment anti-deck greedy. Mm-hmm. Donc il a joué un contrôle qui bat les contrôles. C'est ça. Donc on voit un druide pour Lorelo. Ça me paraît assez classique pour l'instant. Et Tars qui joue le même mage. Hein. La Vaporeuse qui fait ici. Incroyable. Cet homme est inarrêtable. Là, ça va être compliqué avec la croissance. C'est ça, la croissance qu'on va voir. Puis le déchiffreur. Il y a encore la pièce pour faire pièce boom au tour 5 du coup. Ouais. Il va avoir un tour un peu potentiellement un peu gênant. Qui, comme on dit, au tour 5, mais il a le temps de top deck un tour 5. Hein. C'est ça. Là, ça va être juste ping la 1-1, je pense. Non, ok. Il préfère value le tour pour mettre un ice block pour il 3. Il préfère utiliser toute sa mana et ping plus tard. Un tour 5 qui s'annonce pas si dégueu finalement. Hein. C'est ça. Il pourrait vendeur. Il va sûrement le faire. Juste pour c'est le board. Ça fait du board. Hein. C'est une bonne value. 3-5 pour 4. Oh là là, c'est son T5, T6 est insane. Enfin, elles sont. Est-ce que. T6, T7 du coup. Oh là 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 là. Il sait que ça va être trade, mais. Oh, le puits de lumière qui n'est pas si bon que ça. Hein. C'est très mauvais dans le match-up. Hein, parce que le mage, concrètement, s'en fiche vraiment du. C'est ça. DPV face. Après, il peut avoir des créatures blessées qu'il aimerait bien gérer. Quoi. Ce qui est très bon, par exemple, contre chasseur. On est content d'avoir le puits de lumière. Ouais, ça. Ça économise 5 dégâts. Oh, effigie qui est posé pour peut-être préparer un Torisan. Ouais, mais le problème c'est que là, face à Boom, Torisan il va paraître bien maigrichon. C'est ça. Lorelo va juste aller pour face. Hein. Ah, je me demande si Tars c'est pas obligé de Blizzard ici. Je pense qu'il va caler quand même un tour de Torisan. Je peux tanker encore, j'ai l'ice block et après j'ai Blizzard. C'est ça. Après ça fait peur, hein. Le druide, hein. Ça fait toujours peur. Hein. C'est druide quoi. Je me demande s'il n'y a pas l'étal du côté de Tars. Il y a un ice block. Hein, ouais, je sais, mais il faut faire preuve. Ouais. Du coup, il préfère Blizzard parce que c'est trop dangereux. Le problème, c'est là c'est tout le bonheur du puits de lumière. Du coup, qui. Oh là 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 là. Ouais. La pioche ici chez Lorelo, on pioche encore plus d'agression. Le druide de la griffe, le et BGH, le qui ne servira pas à grand chose parce que je pense qu'il n'y a pas de cible à BGH dans le deck de Tars. Que faire hein. Peut-être qu'il va ping et Vapo, il y a deux cibles à Vapo très correctes ici. Oui, c'est vrai. Non, il préfère une botte pour l'instant. Il se dit que l'effigie sur la créa à 5 peut peut-être lui apporter quelque chose. Il est con. Ouais, mets-toi en occupé. Bah, je peux pas d'ici en fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, bah, y a tellement de solutions du côté du druide que c'est assez difficile de dire. Je sais pas s'il y a quelque chose d'optimal en soi. Peut-être juste la 7-10. Au rêve, c'est pas mal, non? Tu empêches le mage de faire des spells et tu vas tout face. Ouais. Ça me paraît correct. Tu peux même au rêve, mais. Ouais, le rugissement qui rend énormément de dégâts. Ouais. Donc au rêve qui empêche de faire des sorts, on le rappelle pour les joueurs néophytes. Ouais. Enfin, ouais. Qui empêche pas vraiment de faire des sorts. Qui fait que les sorts ennemis coûtent 5 de mana de plus au prochain tour. Ok. Là, le rugissement qui part. Mais pour faire quoi derrière? Enfin. Et au rêve, je pense. Et pourquoi il a fait la pièce? Lorelo qui avait un plan de jeu différent, je pense. Ouais, possible. Il voulait faire la charge, mais c'était pas létal en fait. Enfin. Non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne vois pas du tout. Ouais. Pourquoi il aurait fait la pièce? Un petit misplay, je pense. Ici. Faudrait lui demander après. Ouais, petite faute d'inattention, je pense. Tout simplement. On va enlever de la souris de boucle parce que sinon, hop, ça nous cache tout l'écran. Et un ping là, et un trade là. Donc là, l'ice block qui va partir. Il va le puits de lumière pour pas que ça proc sur Aurel.
Ah, dommage, dommage, parce que Darce qui a tenté le ping pour ouais. dévaluer la statistique que le puits de lumière se heal lui-même. C'est ça. Voilà, donc un petit tricks. Ça fonctionne bien quand on prend le puits de lumière, c'est celui-là même. Ici, l'effigie qui va jamais être proc en fait, il va juste se contenter d'aller face. Le Willow qui va proc à 1 du coup. Ouais. Il va charger le druide de la griffe pour le mettre à 1 et retaper avec une autre créature pour être sûr que Darce soit bien à 1. C'est ça. Bah, 1 c'est très important pour pouvoir juste tuer avec Hero Power en fait. C'est ça. Donc très bien joué de la part de Lowello ici. Ouais ouais. C'est et on voit déjà Black Knight dans le deck de Lowello. Donc il a peut-être tech plutôt contre Druid. C'est possible. Druid en block. Ouais. Bah il s'attendait à ce que Darce joue du contrôle je pense. Donc a priori c'est plutôt réussi. C'est ça. Donc Hero Power et passe. Starz qui est embêté, il peut piocher grâce au commissaire priseur. Mais ouais, mais bon, il peut mettre Vaporize pour piocher. Il va le faire, c'est sûr. Oui. Mais qu'est-ce qu'il peut piocher? Il faudrait qu'il pioche un Ice Block. Ou alors il va peut-être Mad Scientist Mouton Ping. Oh, Miracle Mage. C'est ça. Donc il va Frostbolt quelque chose. Je pense. T'aurais encore la mana pour faire Savant Mouton Ping. Ouais, il va Frostbolt la 5-5 je pense. Oui je pense pour aussi. Trade la 4-4 dans la 4-4. C'est ça. Il bot, et comme ça il meurt pas parce que Book va se faire vaporiser. C'est acceptable. C'est acceptable, oui. Effectivement. D'accord, il se dit, si Lowello n'a aucun dégât, je ne meurs pas. C'est quoi le secret? C'est encore Isblock? Non, non, c'est Vapo. Ah, c'est Vapo. Oui, oui. Donc là, hop. Ah, la Vapo qui a très bien marché. Darce qui est aux anges ici. Il pouvait gagner avec charge du druide de la griffe. Lowello, on ouais, va se dire. Ah, mais si j'avais charge le druide de la griffe, j'aurais gagné. Ouais. Mais bon, comme on le dit, Darce joue du surprenant. Bah, ça vient du futur. Hein. C'est ça. Tout droit, tu vois Vapo, du futur. Quand tu vois Vapo en tournoi, tu fais what? C'est ça. Après, bon, il y a la force. Hein. Ça devrait quand même être plié assez rapidement. C'est ça. Et un petit Mad Scientist qui va sortir. Mais on le voit. Alors, il n'y a pas l'étal. Hein, pour l'instant. On peut mettre à. Toujours pas. Une innervation aurait suffi. Mais. Ça me paraît. Compliqué, ah, ça du silence quand même. Il est pas si mal Darce parce que s'il suscite son Mad Scent. Ouais, mais à voir ce que ça lui donne comme secret. Parce qu'il y a encore dupliqué dans le deck. Hein. Et une effigie, je crois. C'est vrai. Donc, faudrait que ça donne un Ice Block. C'est ça. Bah non, là, c'est à voir le plan de jeu de Lowello en fait. S'il a peur du deuxième Ice Block ou d'un. Moi j'ai plus ou peur d'une Alexstrasza en main ou de quelque chose comme ça. Il y avait l'étal. Hein. Silence ta 5-7 et charge. Ah oui. Effectivement. C'est large létal, ouais, même ouais, force. Ouais, 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 effectivement. J'avais pas vu qu'il y avait un silence, mais ouais, si. J'avoue, il y avait large létal. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. On fait pas gaffe à ce genre de choses. Ouais, Lowello qui s'en rencontre. Ouais, Lowello qui s'en rencontre, ouais. Et le sludge qui se met pas mal. Lowello qui rigole, il vient de se dire ah, oui, c'est vrai. Du coup, il s'en voudrait un peu si. Mais il est tellement bien dans la game que. C'est pas encore gagné, cela dit. Il faudrait qu'il fasse boule de feu sur un de ses. Donc sur son savant ou le belcher. Après, on voit qu'il y a Black Knight, donc. Ouais. Ça mais le Black Knight suffit pas pour donner l'étal instantanément, encore une fois. Non, il y aura parce du, que Darce a les trades. Ouais. Darce a les trades. Donc plutôt. La 2-2 et la 5-7 dans la 5-7. Derrière une fireball sur la 4-4, tu poses le belcher. Et il n'y a pas l'étal en fait. C'est ça. Ça c'est une possibilité, après on va voir. Il peut le faire comme ça aussi pour prendre un dégât de dégât oui. sur Antonidas en fait. Oui ça se fait. Ouais. Petit misplay ici de ouais. Darce parce que ouais. de toute façon ça revenait au même. Il fallait taper dans la 0-5. Ah bah le silence qui arrive, c'est le silence. Voilà, donc Il y avait tellement d'out en fait, tellement de top deck qui m'a donné la victoire. Ça. C'était pas scandaleux. Hein. Darce vient de se rendre compte que son adversaire punit les decks contrôle. C'est ça. Et il se demande comment je vais passer ce match, je n'y arriverai jamais. La tristesse.
Ah là là. Donc le Willow qui est parti sur plutôt une bonne stratégie. Hein. Ah bah, trop tard. Sur un tournoi comme ça, ça peut être. Oh, ça le Willow qui joue le match qu'on aime bien. Ouais. Le casino match. Le casino match. Alors le casino match qui est pas très bon, je pense, contre l'archétype de Tars. C'est ça, donc on l'a vu. Il y a beaucoup de board clear, beaucoup de récupération de points de vie. Donc ça peut être compliqué. Après, le mage peut faire des surprises. Hein. On est habitué. Ben ouais. Le jet de sort qui donne une boule de feu, ouais. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça se peut. Hein. Ça arrive. Ça peut même donner une pyro une fois. Pyro, ouais. Ah, il y en a plein. Hein. Duel de Mad Scientist. C'est ça. Il y a aussi une interaction qui est très forte dans ce match-up. C'est le Doomsayer sur l'entité miroir. Oh, donc qu'est-ce qu'on a eu chez Tars, d'éclair. Chez Tars, on a eu chaîne d'éclair. Ouais. Donc ça permet de faire deux dégâts à deux serviteurs aléatoires. Et Lowello a eu assassiné, donc ça détruit un serviteur que vous choisissez. Ouais. Mais après ça coûte un peu cher, mais par contre on détruit n'importe quel serviteur qu'on veut. Wow, je trouve ça un peu prématuré. Il y a le secret en fait en face. Il s'est dit si c'est une entité, je le tue direct. C'est ça. Après on voit que c'est pas une entité, donc c'est sûrement contre sort. Moi j'aurais bien aimé l'éclair couche, c'est comme ça qu'il s'appelle en français. Ça aurait été plutôt fort ici parce qu'il aurait pu gérer les deux en fait, tout simplement. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Dupliqué ? Pas du tout. Donc le portail qui a donné le gardien de Mogushan. Ouais. Donc pas terrible ici. Hein. Pas la meilleure carte. Ouais. Même si ça coûte 1, c'est un petit bug en fois qu'elle coûte 1. Parce que le portail réduit le coût, mais pas terrible. Hein. Même pour une 1-7, c'est pas terrible. Hein. Et quel est le secret de l'Owello ? De l'Owello, c'est contre-sort. Tars, c'est Ice Block. Ok. Donc ici. Ça se met pas bien là. Après, il pourrait le ping au prochain tour, donc ça va quand même. Hein. Oh, la fourche d'éclair, il voudrait jouer le beau jeu. Peut-être. Ça. Fourche d'éclair, mouton ping. Ouais. C'est pas fou ici, je pense. Non, je pense qu'il faut le garder encore. Pièce d'Auchelet, ça me paraît plus fort. On sait que c'est contre-sort. Ah oui, la pièce, c'est contre-sort. Du coup, il va faire le mouton ping. D'accord. Tu penses ? Bah. Ah, et la fourche. Et l'éclair, je suis d'accord. Le problème c'est que ça lui bloque tous ses plumes. Ça lui bloque zéro board en fait, tu laisses le mage avoir le tempo. Ouais. Mais après le truc c'est qu'il a il a encore un blizzard en main. Donc là au prochain tour il va juste faire un tour de pioche. Après il le sait pas mais la main de Lowello est vraiment catastrophique. Sauf ceux qui sont. Son assassiné aura assez peu de valeur au final parce qu'il y aura un dupliqué ou une effigie ou quelque chose comme ça qui va être setup à ce moment-là. Ça se met bien dans la curve. Oui, très très bien. C'était qu'il aurait dû faire juste piocher. C'était possiblement un des tout meilleurs top decks ici parce que derrière ça va lui donner soit un dupliqué soit une effigie très probablement. Et il pourra poser Touchelet par-dessus. Et je sais pas s'il joue une ou deux effigies. Donc le Lowello qui ping le Mad Scientist pour qu'il meure sur la 1-7. Ce qui est assez bien joué. Oh, dupliqué. Tars qui pioche tous ses secrets. Ouais, du coup ça pourrait être une vaporisation qui sort. C'est forcément plus de sûr, hein. Je vois pas Tars jouer 5 secrets. Hein. Il joue 2 dupliqués. D'accord. Ah. Ah. Est-ce qu'il voudra déjà le claquer dessus? Je pense. C'est assez intéressant, je pense. Lowello qui rigole, ça casse son plan de jeu en fait. Ouais. Son plan de jeu était que le Mad Scientist meurt ici. Oh, et Lowello qui pioche son secret en plus. Mais Lowello qui va ping et qui va aller face avec sa 2-2 pour tester la vapo, je pense. Ça il pourrait aussi assassiner, mais sur dupliqué. Il sait que c'est pas dupliqué parce qu'il ça aurait aucun sens de passer. Il sait que c'est ni dupliqué ni effigie. C'est ça. Et donc là, il va envoyer sa 2-2. Pour avoir le secret de Tars. Ah non, il préfère suicider là. Donc un deuxième dupliqué. Hein. Ouais. Bah, il va piocher ici. Hein. Ah non, il duplique des healbots. Et Fiji pour se dire c'est un T5, je duplique des healbots, il me tuera pas, il me tuera pas de Tito. C'est un plan de jeu qui est acceptable dans ce type de match-up où c'est vraiment à l'épuisement. Et il savait, le match casino s'épuise au bout d'un moment, toujours. Donc tu peux vraiment le jouer à l'épuisement et c'est un plan de jeu qui est tout à fait viable. Oui, clairement. Pas de problème de ce côté-là. Surtout quand on voit la main de Lowello, on sait à quel point. Tars ne le sait pas, mais parce qu'il y a deux cartes. Pour lui, ça pourrait être Ragnaros, Sylvan. C'est ça, attention, qu'est-ce qu'il va avoir comme effigie? Attention, peut-être une belle carte pour 5, c'est tendu. C'est pas terrible, mais il y a moyen de faire combo. Oh, c'est dommage.
Ça aurait pu avoir un énorme côté comique avec les deux anti-killbots sur le bord. Malheureusement, ça arrivera pas, je pense. Ah, le rêve. Le rêve, on est bien. C'est ça. Le rêve s'effondre. On va voir. Arcane, c'est trop beau. Arcane Intellect, je pense. Oui, je pense aussi quand même. Il pourrait le camoufler. Hein. Il pourrait le camoufler. Ce serait beau. Ah, ça serait fou. Ah, ce serait la folie. Tarte, vends-nous du rêve. Allez, fais-nous rêver. Non, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que... Low Willow va toujours tuer un healbot. Il pourra jamais garder les deux healbots sur table, c'est impossible. Ça me paraît impossible. Hello. Ah, donc... Donc ça n'arrivera pas. Non. Dommage. Cazur, très bon draw, qui peut mettre un... Ouais, il peut mettre un Arcane Blast à 4 du coup. Ça c'est mal ça. Ouais, mais quand tu vois le... quand tu vois ce qu'il y a dans la main de Tars, tu sais que c'est plié quand c'est Willow. C'est ça. Le potentiel agressif de Willow qui est grandement réduit. Ouais, y a plus rien en fait. Il va pouvoir refaire une bonne dupliquée, enfin... Ou même ça rate. De toute façon ici il va Flame Strike je pense. Ou alors ça rate, ping, dupliquée. Ce serait envisageable également. Non, il va dupliquer Flame Strike et comme ça au prochain tour, ça, il va setup Sarah. Ouais. Ah, ici le jet sort, mec, ça pourrait donner le jet sort. Frank, oh là là. Encore lo, un duplique. Lo. Oh, c'est bien ça. Hein. Ouais, ça c'est très fort. Lolo qui se rend compte ici qu'il est à bout de souffle. Et la main de Tars qui ne cesse d'être meilleure. Ouais. Il sait que ça va être copié par contre. Il va être obligé de la fireball. Ok. Et il va probablement le camoufler. Je pense. Ça paraît correct. Oui, oui. Ah, Lolo qui a beaucoup, il y a beaucoup de blast, dégâts. Mais il y a deux healbots dans la main de Tars encore c'est une ça. Fois. Quoi. C'est le problème. Hein. Il n'arrive pas à baisser les PV de Tars assez. On voit le Willow qui se prend la tête ici, qui ne sait pas. Ouais. Il est face à un mur là. Là c'est quasi... C'est impénétrable. C'est ça, pense. Il n'arrive pas à passer. Hein. Il y a encore 16 points de soins. On sait qu'il y a l'Ice Block en plus. Et un dupliqué qui a été donné par le... Okay, ça va Blast. Il va Burst. Il se dit je burn maintenant. On voit le burn de c'est le Willow hein. Qui part. C'est le all-in. Ça, après il peut pas trop gérer le board ouais. Mais... Ça va se mettre bien aussi. On va sûrement avoir un ping ici juste pour. Blizzard, non ? Juste pour aller voir. Ah, tu penses qu'il va faire Blizzard ? Bah, ça se met très bien. Blizzard et un petit ping dans la 3-4 et Blizzard, ouais. Ouais, je pense ça que paraît ça très bien. De toute façon, il y avait une multitude d'options ici. Et là, il y a la boule d'araignée encore une fois. Boule d'araignée qui veut vraiment qu'on la joue, hein. Je suis nul, regardez-moi ! Eh, joue-moi ! C'est la carte, une des cartes qu'on a jamais vu en fait, tout simplement. C'est très mauvais, c'est une value horrible. Même si, pour que ça ait de la value, il faudrait que ça coûte 3. Mm-hmm. Enfin, 3 tissus, en vrai ça vaut 3, et encore. Oui mais, non, ça vaudrait, en une seule carte, ça vaut peut-être 4 ou 5 à l'aide. 4. Ouais, 4. Allez, est-ce que tu jouerais pour 4? Je ne jouerais pas pour 4. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'archétype qui s'y prête. 3, je le jouerais peut-être. Je suis même pas sûr. Ça, c'est lâcher les tisseuses. Ouais, c'est ça. Si ça serait pas mal avec vous lors de couteau quoi. C'est pas mal. Ouais. C'est correct. En fait le problème c'est qu'il n'y a aucun archétype qui se prête. S'il y avait un archétype chasseur contrôle qui était viable, la carte. Oh, oh the dream. Incroyable. Oh je sais même pas si tu le fais maintenant. Je pense que t'attends. Ah, tu penses? T'imagines ouais. Que si. Oh là 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 là. C'est fou hein. Et le Willow qui se débat. Hein. Je pense qu'il peut quand même pas gagner. Il gagnera pas, ouais. Mais c'est le rêve. C'est ça. Portail instable. Anthony Das. C'est le rêve. Il y a tellement de value sur les cartes de Tars. C'est insane. Oh lolo lolo lolo. Encore d'huile. Encore d'huile. Ouais. Et encore un dupliqué. C'est ça. Créé et toutes les cartes de Tars qui reviennent, qui génèrent des cartes, qui reviennent, qui génèrent des cartes. Oh le boom. Qui est joué ici. Le Willow bien sûr qui attend d'avoir plus de value ouais, sur son Anthony Das. Il essaye hein. En tout cas. Il essaye, il se dit il faut tenter. Anthony Das qui arrive de l'autre côté. Là, je pense que c'est la fin. Tars qui joue un peu avec la nourriture maintenant. C'est ça.
Si tu peux dégager un petit peu le curseur. Voilà. Châtiment sacré, bon, ça fait moins rêver. Ouais, tout de suite. On va voir le vendeur de rafraîchissement. Oh, la bombe pas contente hein, ici. C'est à dire que la RNG se met bien pour le Wello hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, donc, je là, pense que tu fais Antonidas pioche. Ah, Tars qui va pas être. Tars qui va probablement rigoler quand même. Et il rigole non, pas trop. Ok, non, ça fait pas rien. Il a l'air un peu agacé. Hein. Ouais. Ah, peut-être un sort. Ouh, ouais. Un deuxième sort. Ça se met très très bien pour le Wello. Hein. Tars qui rigole moins d'un coup. Hein. Enfin, il sait qu'il va. Oh, en plus, ça se remet bien. Ça duplique un BGH. C'est vraiment pas bon. Hein. Ouais, c'était le pire. Ça se met tellement bien pour le Wello qu'il va finir par être moyen. Non, enfin, non. Ah, là, il va y avoir double ça va. Ouais. Bolf qui va prendre, qui mange deux boules de feu à lui tout seul. Hein. Est-ce qu'il va faire la Ball of Spiders ici? Non, je suis pas du tout. Tu la ferais aussi. Je sais pas, ça serait amusant. Amusant. Moi ça m'amuse. Alors qu'est-ce qu'il récupère? Un canon en flamme. C'est pas dégueu. Ouais. Surtout sur le Shredder qui va débarquer quand, au prochain quand tour. Quand t'as fait 50 fois sa rad, t'as forcément des choses pas dégueu au bout d'un moment. Hein. Bah, là, le meilleur qu'il a eu pour l'instant, c'est l'impôt des mains. L'impôt des clairement, c'est une très très bonne carte à avoir sur sa rad. Ah, mais y'a plus de carte chez Lovello. Je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là en fait. On va regarder les cartes, c'est où? C'est une carte pour Lovello et 6 cartes pour Tars. C'est fou hein. Donc, non, il décide d'y aller à l'agression ici. Mais on sait qu'il y a encore Illbot, qu'il y a encore Crash Vase, qu'il y a encore Impôt des mains. Trade Illbot, Crash Vase sans doute. Oui. Non, il va jouer la. Moi je pense qu'il va jouer la boule d'araignée avant la fin de la partie. Ah, il va avoir la maximum de value, genre 1. Là c'est vraiment pour le plaisir. Aïe aïe aïe. Ouais, Flumcan, bon d'accord. Et boule d'araignée, il joue le beau jeu. Ou Bolf. Ah, les boules d'araignée. Ah non. Ah, Illbot. Il a mis la peur quand même. Non, en même temps, il se prenait double Fireball Ping, ça proquait le bloc de glace. C'est vrai. Tu t'angoisses un petit peu quand même. Bah, Bolf du coup. Bolf. Ouais. Bolf, c'était bien. Ouais, ici, là, c'est Lowello qui essaie de faire durer la partie pour essayer de connaître le maximum de cartes du deck de son adversaire. Chopé par sa rade surtout. Mm. Mais ici, je le vois mal gagner. Bah, c'est plus possible, hein, tout simplement. Il est à la fatigue avant son adversaire. Ouais. C'est que ça va se tenir encore énormément de heal. Ah, ça se met mal pour lui en plus, le Sarad qui va continuer à survivre. Tars qui joue le beau jeu, hein, les boules d'araignée. Et du coup, il a récupéré encore une autre carte. Ici. Ouais, Marco de Noël. Bon, au bout d'un moment, t'as tous les sorts du jeu. C'est ça. Ouais. T'as tout et n'importe quoi dans ta main. Donc. Ça ressemble presque plus à rien. Et une bête random pour ajouter au. Oh, ouais. Allez. Pour ajouter au plaisir. Oh, pas mal. C'est pas si mal. C'est pas une des plus crades. Boule de feu ici, boule de feu ping, je sais même pas, enfin Ah, Lowello qui en a marre, il voit que son adversaire joue avec lui. Ouais. Un peu comme les chats qui jouent avec les souris avant de les achever, tu sais. Ouais. Donc 2-1 pour Lowello ici. Ouais. On va voir les autres decks de Tars. C'était marrant comme game. C'était marrant. Ouais. On avait dit que Tars avait massivement l'avantage sur le matchup et effectivement ça a pas menti. Hein. La value qu'il a fait sur ses healbots notamment a été juste trop forte. Ça, puis les dupliqués sur les healbots, 3 dupliqués hein, parce qu'il en a eu un par le jet de sort. Donc, ouais, c'est vrai. Ah, ici, Tars qui joue un. Un démo. Un démo plutôt combo. Combo a priori, ouais. Oui. Ça va être un démo. Alors, il y a un démo. Qui récemment a fait un peu, a ressurgi un peu, c'est un démo démon mais contrôle en fait. C'est ça. Et c'est peut-être cet archétype là qui est. Mais il joue pas de puissance accablante celui-là. Non mais après à la sauce Tars quoi. D'accord. Ça pourrait. Très bonne sortie du côté de Lowello. Hein. Oui mais c'est très fort. Ouais. C'est le meilleur chose que tu puisses faire contre contrôle en tout cas. Mais alors en fait ce qui va se passer c'est si Tars fait une bonne implosion. Il aura une chance de revenir, s'il en fait une mauvaise, à mon avis, ce sera plus. Il y a le projectile quand même dans la main de l'eau. Ouais. Oh, innervation. Ouais. Oh, puissance totémique, ça se joue pas du tout ça. Hein. C'est très très mauvais. Hein. Puissance totémique, aïe aïe aïe. Tu pourrais faire. Oh, Tars peut faire des choses avec cet innerve. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Innerve Hellfire. Ouais. Mortal Coil. Alors moi j'aurais quand même mis la coin. Non, ok. Il a pas peur de se faire contre-sort.
Ouais, j'aurais peut-être mis le coin pour assurer aussi. Donc contre-sort qui part ici. Ça se met pas très bien. Donc deux Demon Breath ici. Ouais, c'est Kourou démoniaque, je crois, en français. Kourou démoniaque. Et... Ah, il préfère jeter ça plutôt que la pièce. C'est étonnant. Je trouve ça brutal. Pourquoi pas pièce life tap. Sachant que c'est ses seuls boards clear, hein, de vrai. C'est ça. Je suis surpris. Ouh, et l'implosion, ça va être difficile ici. Il va falloir faire 4. Hein. Après, entité miroir, il va y avoir le zombie show. Hein. Oui, on ça, est c'est, content, ça hein. C'est très bon. Ouais, ouais. Peut-être qu'il tenterait le zombie show plus implosion sur zombie show. C'est, ça me paraît pas mal. Après, le truc, bah... c'est, ça fait 4, t'as gagné. Hein. Allez, 4 pour gagner la game pour Tars. Non. Ouh, seulement 3. Ouais. Ça reste correct, on va dire, sans être exceptionnel, mais parce que c'est quand même très probable qu'il puisse clean derrière. Ça va être chaud de tuer tous les îles. Il a déjà fait un coil et aller chercher un PV, ouais. Mon démoniste, c'est ouais. Pas si facile que est-ce ça. Est-ce que tu peux jouer la puissance totémique à blanc si t'as pas de totem? Est-ce que le jeu te laisse la jouer? Oui. Il te laisse la poser, d'accord. Moi je l'ai déjà eu. Sur Antoine Das, c'est pas mal. Oh, ça se peut pas très... Ok, il préfère faire ça que puissance totémique. Ouais. Moi je suis quasi sûr qu'on peut le jouer, hein. Je suis sûr à vraiment 90%. Donc s'il faut se heal chez Tars, hein, ouais. Soit il faut faire Siphon Soul, mais ça se met pas très bien parce qu'on sait que le mage joue quand même des grosses créatures. C'est ça. On a vu Boom, on a vu Anthony Das. Donc voilà. La Fureur démoniaque va probablement être jouée ici. Oui. Ça rend 5 points de vie. On se dit qu'on a d'autres chances de survivre. Oui, si la deuxième Fureur démoniaque aurait été pas mal hein, pour Tars, enfin pour plus tard, au tour d'après. J'ai pas compris ce play de jeter ouais. Au lieu de la pièce. Moi non plus. Ouais, tu vas pas jouer parce que t'as pas envie de silence en fait ici. C'est ta carte. Il a joué puissance totémique, tu vois, pour bourrer. Tu vois, du coup, on peut bien le jouer. Il pourrait même geler son adversaire pour bourrer encore un peu plus. Mais il se dit, si mon adversaire joue des géants. Ouais. Bah après, s'il y avait des géants, tu les aurais probablement déjà vus ici. Peut-être que tu te dis, mon adversaire a pas de taunt, je sais pas. Après, la Bloodlust, ça se met très mal pour Tars. Ce qu'il lui faudrait ici, c'est genre une chouette ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose. Ok, donc il va tout jouer plus ouais. Le silence. Ouais. Il se dit on avait plein de... Il faudrait quelque chose que tu puisses reflame là. Hein. Tu pourrais faire... Chouette, quelque chose comme ça. Dark bomb, est-ce que ça suffit? On voit la alors ça suffit feu, pour c'est... survivre. C'est pas bon. Je sais pas... 7, non, non, ça 9. Fait 6, ça fait 12. Ah, ok. Donc bah, après, il y a des outs pour le létal. Mais là, il les a pas en l'occurrence. Tu peux tout faire, hein. Mais au prochain tour, tu joues ta girl et tu joues tout. Hein. Void Caller, puissance accablante. Alors le truc, c'est est-ce qu'il va vouloir jouer tout ça, sachant que. J'arrive à pop sur le bord. Ouais. Je pense pas qu'il va faire la boule de feu du coup. Oui. Ok. C'est plutôt malin. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir pièce Jaraxxus. Oh, Mortal Coil ici. Est-ce qu'il serait pas tenté de faire Void Caller Shadow Flay mais pièce Mortal Coil. Tu laisses une 3-2. Bah oui mais t'as perdu du coup. Ouais, sur Fireball. Ouais mais est-ce que tu peux deviner que la dernière c'est Fireball? Je pense que oui. Là, moi je sais que je suis assez conservateur comme joueur donc ça c'est clairement moi le play que je ferais ici c'est Void Caller, Coin, puissance accablante et. Et tu te dis j'ai le bot au prochain tour, d'accord. Et tu te dis que t'as le bot au tour d'après. D'accord. Voilà, exactement. Donc là, bah. En fait, il est bien sûr. S'il n'y a pas de top deck éclair de givre ici. Ou boule de feu. Ou boule de feu, évidemment. Oula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 l
Ah, du coup, non. Du coup, là, c'est mieux. Du coup, il va le tenter ici tout de suite. Il va tenter les sur le Hillbone, très probablement. Ouais, ici. Au histoire de... Tu gardes sur toute ta boule de feu. Hein. Ok, toujours pas le projectile pour tuer le Hillbone maintenant. Non, toujours pas. Et aucun ping qui va face. Aucun, ça, c'est... Un seul, je crois. Ouais. Du coup, il peut toujours tuer. Hein. Après, on sait qu'il y a le Cypher Soul, qui est pas commun dans les démos. Donc il là, le Cypher Soul va partir de suite là. C'est ça. Ah non. D'accord, oh. Il se dit, si jamais il y a Ragnaros, on va quand même se garder quelque chose sous le pied. Pas d'accord, d'accord, parce que la chose que t'as sous le pied, c'est une puissance accablante. Il pioche. Ah, il va pas que sacrifier son grand boss, je pense. Ça, c'est un bon draw ça ici plus tard ça. Il va oui, le... tu le fais, enfin. Y'a aucune raison, le Willow a quand même une chance sur 12 de gagner ici. Y'a aucune ouais, raison. C'est ça. Orem qui se mettrait pas trop mal. C'est plutôt Orem et ping face sûrement. Ouais. Non il va ping la 3-1 je pense. D'accord. Donc là sur PO il va pouvoir aller trade, Darce. Le dread. Oh le poney. D'accord. Le poney, okay, c'est un deck poney intéressant. Donc Darce qui joue poney. Ouais, tout à fait. Et du coup le deuxième pack sacrificiel qui sera probablement employé là-dessus. Oh il peut faire double poney. C'est risqué ici hein. Non pas tellement en fait. Qu'est-ce que tu crains? Choc de flamme. Oui mais pas vraiment en fait. Enfin, un peu. Enfin. Boum. Bah là il y a l'étal en fait sur Bloodlust. Ça se met bien quand même Bloodlust hein, avec les poney. Ah ça. C'est très fort. Bloodlust Power Overwhelming, ça doit être bon là. Ça fait 9, 3, fait 5, ouais, bah, 14, ouais, c'est bon. Il y a le talent. Darce qui est mort de rire. Ouais, ouais. Bloodlust sur les poneys, c'est pas tous les jours quoi ça. Ça fait un peu moins rire le Willow pour le coup. Ouais, bah 2-2. Hein. 2-2, Darce qui est bien remonté. Hein. Ouais. On va voir le dernier deck de Darce. Mais et en fait la nef de l'OLO qui était assez axée anti-contrôle sauf le mage tempo qui galère plutôt contre contrôle en fait. C'est ça, Tars qui a l'air d'avoir 3 contrôles au final. On va attendre de voir le... C'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. Hein. On va attendre de voir le druide. Du druide. Ouh, ça risque d'être marrant. Ah c'est du druide dragon. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein, pour le druide hein, ici. Hein. Le druide aggro qui serait... Il y a deux entités miroirs et à partir de là le matchup va être vraiment vraiment corsé. Puis surtout que druide dragon n'a sûrement pas d'aspirante. Je crois qu'il en joue une, si d'accord, je ne m'abuse. Alors, oh, on voit la très belle main chez le Willow, hein. Très monstrueuse, très belle main. Caviar. Cette main. Ah, ouais, caviar. Ouais. Tu fais pas pièce. Mieux, hein. Il manque juste la Tisflamme. D'accord, donc il part sur allez, je bourre. C'est ça. Pièce et weird. Il a raison. C'est ça. Là, il faudrait top deck une colère du côté de Darce. Ah. Ça se met pas mal parce qu'il a un dragon. Il va le sortir. Je pense, hein, y a aucune raison. Bah, si, la raison, c'est tu te dis. Au prochain tour, je peux énerver Blackwing et au tour d'après, je fais Twilight. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Mais après. Ça lui fait une meilleure curve. Mais... C'est vrai, sur éclair de gif, c'était moyen, moyen. Hein. C'est ça. Là, on va avoir une innervation Blackwing. C'est sûr, dans la Wyrm. Hein, absolument. Après, pas moyen de le trader chez Lowello. Hein. Là où Tars va être content, c'est qu'il n'y a pas de. D'éclair de gif. Le ouais, canon, c'est ça, il y a pas canon, de canon, c'est clair, les deux blasts. Hein. Donc, ici, on devrait voir contre-sort. Contre-sort, ça, très, ça, très... ça a un double effet, c'est-à-dire que ça force la sortie de l'entité miroir c'est et ça. En plus, ça permet le trade. Contre-sort, ça me paraît très correct ici. Je pense que c'est le seul play en fait, tout simplement. Parce que sinon, tu ne peux pas trade et c'est trop. Je le vois pas faire un jet de sort, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux peut-être deux secrets ici. Hein. Ce qui est pas mal, tu te dis sur un drop 2 ou prochain tour. Donc le Willow qui n'a plus de bord mais deux secrets hein, qui ouais, lui. Qui en fait qui lui assure un bord indirectement en fait. C'est ça. Cela dit ce Twilight Guardian qui ne se trade pas lui-même. Ça c'est vraiment ce que tu recherches à poser sur des. Sur l'entité, c'est généralement des cartes qui ne se trade pas elles-mêmes. Ce tour 4 qui se met super mal par contre pour le Willow hein, pour le effectivement, coup. Après il pourrait reposer un jet de sort peut-être. Je pense que c'est bon. Avec un sort à 1 ici peut-être. Oh, il peut piocher. Hein. C'est fort ça. Enfin, c'est fort. C'est pas mauvais. Ah, il peut piocher. Tu le fais, t'attaques une fois. Hein. Ouais, je pense. Tu sais que tu vas te le faire trade, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu pioches une fois. Ah, ouais. J'aime pas parce que ça utilise toute la mana. C'est de piocher une carte. J'aimais bien la béné ici, hein, vraiment. Ouais.
La chasse de step qui va être très bien pour péter le contre-sort. Oui. C'est cool, mais avoir un petit sort à zéro comme ça, ça peut avoir énormément d'impact. Il peut le faire n'importe quand il veut, c'est vraiment un effet de surprise. C'est vraiment je te contre ton contre-sort et. Et genre vraiment, il le fait pas maintenant parce qu'il veut vraiment avoir l'effet de surprise, le sort à zéro pour... Et un des gros avantages encore une fois en conquête, c'est une fois que t'as vraiment bien battu le deck, plus t'as battu le deck, plus t'as de chance de le battre parce que tu le connais mieux, de mieux en mieux en fait à chaque c'est fois. C'est ça. Donc là Torii-san se met très très bien. Ouais. Après on voit qu'il y a la boule de feu chez Lolo. Donc potentiellement boule de feu savant. Ça pose du board. Voilà. J'aurais bien vu un portail instable. Non, parce que je préfère avoir ton deuxième secret le plus vite possible avant de le piocher. D'accord, oui, c'est vrai. Effectivement. C'est un bon point. Shimbo qui se met très bien ici. Hein. Et la Shadow Step qui ne peut pas être jouée en fait quand tu n'as pas de board. Donc non. Là, c'est problématique. Bah, tu Shilmo du coup. Mais il a pas de dragon. Si, il a Alexstrasza. Autant pour moi. Il pourrait être Shilmo. Shilmo et. Passe. Shilmo passe. Ouais. Oui. Probablement ce qu'il va faire. La main de Loewo qui est assez vite s'il fait pas portée de fou, comme Anthony Das tout à l'heure. Par exemple. Est-ce qu'il va colère pour péter ? Le truc c'est qu'il a vraiment envie de mettre la. Je pense pas. Je suis étonné qu'il mette pas la Shadow Step de suite pour. Ouh, Anthony Das et Bene. Ouh là 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 là. Attention voilà, ici. Là je suis étonné qu'il ait pas mis Shadow Step sur la 6-6. Péter contre sort. Pour se dire, et oui, mettre la colère oui. à 1 sur la 2-4 pour être sûr que ça meurt. Oula, le portail ici, on ouais. va savoir si Loewo va faire un portail de fou, ça peut vraiment coûter la game. Ouh, c'est pas très... mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout, ouais, c'est ouais. pas mauvais du tout. Hein. Et en plus t'as vu les. Ouais, les pings qui sont le... très bien mis, du coup il peut même jouer son recruteur ouais. dans la curve au lieu de ping parce que si un seul projectile était parti, c'est bien mieux pour Loewo hein. Ici Tars qui est vraiment en mauvaise posture. Je sais pas trop comment il va se débarrasser de tout ça. Oh l'aspirante qui se met très bien. L'aspirante qui vient très bien parce qu'on l'a vu, ouais, entité miroir. Le problème c'est qu'il n'y a pas de balayage. Un balayage, je pense qu'il va aller. Keeper la 5-4, remonter avec Shadow Step, Keeper la 5-4, je pense. D'accord, d'accord. Ou alors... Mais du coup il faudrait faire colère pour. Tu ne peux pas au démien. Ouais. Si, il te coûtera que 2 ton Keeper. D'accord, d'accord. Donc d'accord. Ça, tu utilises tout oui, d'accord, tu fais colère à. D'accord. Non. Ah, il a. Il peut. Tu peux aussi le faire avec la colère. D'accord, en fait. Il veut faire colère à 1 en mode. Vas-y, je pioche mon balai. Tu le recruteur, tu peux lui permettre de faire des 2-2, des 2-2, des 2-2. Et ça coûte 1 en plus. Ouais, c'est 1, trop ouais. fort, ouais. c'est beaucoup trop fort. Oui, donc le recruteur va montrer un peu le game text. À chaque fois que vous. Donc Inspire, c'est à ouais. chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque. Ouais. Donc chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, ça vous donne un écuyer 2-2 dans votre main qui coûte 1 ouais. mana. Donc une 2-2 pour 1, c'est quasi gratuit. Donc là, il va faire le play, hein, je pense. Ouais. Bah non, il peut plus. Si. Bah non. Avec la colère, il va chercher. D'accord. Ah non, d'accord. Ah d'accord, il préfère silence. Pourquoi pas. Mais non, il y a contre-sort. Non, Tars. Tars qui a oublié ici, je pense. On le voit, il pas. Est un peu nerveux, il ouais. gigote un peu. Ouais, il ouais. a un peu oublié. C'est vrai que des fois, on oublie hein, quand c'est un secret depuis très très longtemps. On non, oublie un je peu. Je sais pas s'il. Ouais. Je suis étonné. Peut-être un peu de stress, d'agacement, je sais pas. Il a l'air de pas ouais. mal bouger. Ici je pense que c'est boum mais au temps prochain tu fais deux boules de feu avec Anthony Das. Ouais. Alors, on le voit pas content Tars, on le voit pas ouais. content. Je pense qu'il est pas content de ouais. play ouais. Ouais. C'est, ça arrive hein, ça arrive hein, bien sûr. Moi ça m'est déjà arrivé une fois. Enfin, tu oublies au bout d'un moment le contre-sort. Ici tu pourrais. Ah, c'est compliqué. C'est plié ici je pense hein. Non je vois pas Tars revenir ici. Ça paraît trop compliqué, à moins qu'il nous sorte un play du futur mais non, je vois pas. Peut-être trade dans la 5-2, Toilet Guardian. Alexstrasza face. Ça va être sur 0 dégâts ouais. et ça va être l'étal ici. Hein. Il va aller face, il va trade la 5-2. 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 17, 18. Peut-être avec le projectile, il peut le tenter. Un projectile qui touche, c'est ça. Donc dans tous les cas, il faut le tenter. First, c'est voilà. ça, tu projectile first, et si ça touche pas, tu fais un autre plan de jeu. C'est ça. Un projectile dans la tête pour Loewo ici pour la victoire, attention. Et oui, voilà, Loewo qui l'a mis, le projectile dans la tête, et c'est le létal. Loewo qui va donc s'imposer 3-2 contre Tars. Tars qui le sait, il touche son Shadow Step. Ouais. Ouais. Peut-être regretter un peu ici, mais ça ne changera pas le cours de la partie. Hein. Je pense que Loewo a trop bien, trop joué le board.
Ouais. Ici, ouais, même ouais, avec le boom, il serait pas revenu, puisque Antilida faut faire deux boules de feu. Il y avait trop d'options de jeu dans la main de Loello. Tars n'a pas pu gérer le board. Et donc, à chaque coup, tour. Tu vas jouer contre Loello en finale. Je crois que c'est ça. Après, je sais pas si on joue tout de suite la finale ou pas. Je crois que le planning fait que on. Ok. Donc on va faire une grosse pause du coup, un gros break, ouais, et la finale sera à 20h. Tout c'est simplement. Ça, finale à 20h. C'est ça, donc Tixuti contre Loello. Je crois qu'il y aura je sais pas. Non, il n'y aura pas de petite finale, a priori. Ok, donc normalement, voilà, c'est ça, juste la finale à 20h. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc on se revoit tout à l'heure. Hein, on vous dit à tout à l'heure et puis... Ouais. Bah, pour toi sur scène, pour moi au cast. Au cast, tout voilà, simplement. Voilà, voilà. Allez. Ciao. Salut à tous.